cette nouvelle édition des Ignite de Dijon. Alors c'est la quatrième, normalement ça doit passer en automatique. On va voir, peut-être. Alors on est juste un petit peu, ça passe en automatique, on est juste un petit peu en retard avec un petit souci de technique, mais rien de grave. Donc comme je le disais, merci à tous et bienvenue à ce quatrième Ignite. Alors il est un petit peu particulier pour le quatrième, puisqu'en fait c'est l'anniversaire cette année, c'est aujourd'hui, il y a un an exactement, on faisait le premier Ignite à Dijon. On était à la CCI, on était avec Grégory Maubon et on a lancé les Ignite. L'idée c'était vraiment de partager autour d'idées et de concepts un petit peu innovants ou d'associations. Le format, il est super strict, c'est 15 secondes, 20 slides, c'est égal à 5 minutes, pardon, et ça passe en automatique. Une fois que c'est lancé, comme on le voit là, ça ne s'arrête plus. Les 20 slides défilent les uns derrière les autres. Non mais Olivier, tu penses vraiment que les gens ne connaissent pas encore Ignite au bout du quatrième? Enfin, je pose la question comme ça. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore Ignite? Voilà, tout le monde connaît. On peut quand même dire qu'on a passé beaucoup de temps à préparer, à aider les gens. Parce qu'on était assez de l'aide, malgré le sentiment de torture psychologique qu'on leur a infligé. C'était quand même une aide qu'on a apportée, enfin surtout des films en fait, qui a apporté aux personnes qui vont vous présenter ce soir. Et Olivier ne te cache pas, puisque je vais te offrir la suite. Donc Ignite, ça permet aux orateurs qui vont venir ce soir présenter devant vous leur association, leurs événements qui vont se passer. Le quatrième est focusé sur tout ce qui est association et sur des événements à venir et des concepts de sites internet un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc sur le site ignite.org, ce qu'on voit derrière moi, vous pourrez trouver toutes les vidéos, toutes les présentations qu'on va voir ce soir. Donc elles sont filmées, elles sont en direct sur internet, je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. Et les présentations sont diffusées sur YouTube et sur SlideShare pour pouvoir faire une trace pour les orateurs. Derrière, ça leur sert une forme de carte de visite en leur disant « j'ai participé à l'Ignite ». C'est un format qui est extrêmement dur, vous allez le voir dans les présentations. 5 minutes, c'est long, c'est aussi court. On n'a pas le temps de dire tout ce qu'on veut dire, mais des fois, les slides sont un petit peu longs, mais ça va bien se passer. Vous verrez, ça se passera bien. Et voilà en gros ce qu'on peut dire sur l'Ignite. Donc derrière, c'est un petit peu de la bienveillance. Les orateurs qui viennent présenter ce soir, ils ne sont pas là devant. C'est pas un concours. Il n'y a pas un prix à la fin du meilleur présentateur, du meilleur orateur. Alors s'il vous plaît, on ne leur jette pas des tomates. On essaye d'être gentil. Les critiques, elles sont les bienvenues. Je pense qu'ils sont tous d'accord pour les accepter. Non, pas Pierre. Ouais, c'est pour ça. Donc les tomates, elles sont derrière moi. Et derrière, ils viennent pour vous présenter ça. C'est pas des experts de la communication. Mais ils ont la passion dans leur projet. Ils ont la passion dans leur association. Et ils vont nous la transmettre au travers des 20 slides. Je laisse présenter les orateurs. Ah ben je les connais moins bien que toi. Nous avons donc en premier la jeune chambre économique. Malgré son retard, on s'est réglé sur son retard. Donc, il y a une belle coordination des retards, en fait, ce qui fait que... Tu avais tout programmé, c'est ça qui est beau. Donc une super organisation qui vient de te présenter. Nous avons ensuite la présentation d'une boutique, ou plutôt de son cœur de métier, on va dire ça comme ça, sur la mode éthique, en fait, c'est comment consommer différemment en pensant un petit peu plus loin que Carrefour. On a dit qu'on ne citait pas de marque. Ah, pardon, excusez-moi. Ensuite, nous aurons un réseau social qui va nous permettre de faire du sport tous ensemble. Pierre Simon va nous expliquer comment demain on fera du sport au lieu de le faire tout seul devant sa télé. On ira sur un stade de foot et on fera du sport en groupe. Et il a prévu des exercices pratiques, donc échauffez-vous, il va y avoir du sport ce soir. Oui, un jeu de mots pourri, je suis désolé. Un peu plus de sport avec Chenot Natation qui vous sera présenté également. Donc Chenot Natation va nous présenter un événement qui va se dérouler en décembre, je ne vous en dis pas plus, je
laisse la surprise à Franck de nous l'expliquer. Nous aurons aussi la présentation de la ruche qui oui, parce qu'une ruche, ça parle. Elle dit oui. Ensuite, Cutie Pie qui va nous, Maud va nous parler comment faire de la pâtisserie et comment nos illusions et nos espoirs dans nos jeunes enfants peuvent être transformés et améliorés. C'est tellement beau ce que tu dis. Elle va augmenter la pâtisserie à la place de la réalité augmentée, ça va être... Ah oui, il y en a encore, c'est pas fini. Ça va être long ce soir, j'espère que vous êtes bien prêts. Claire qui va nous parler d'une association qui va permettre de mettre en relation des professionnels et des jeunes. En fait, comment le jeune peut s'orienter et trouver le métier qui lui correspond et qui, en rencontrant des professionnels, mais j'en dis pas plus. Surprise. Et nous conclurons avec la mairie de Dijon. Revisité par l'association Fakir. En fait, c'est des architectes sous ecstasy. Et vous racontez tout ça. Entre autres. Donc voilà, le quatrième, ce que je vous disais tout à l'heure, le quatrième Ignite, on l'a focusé sur des associations locales, sur des événements qui vont se passer sur Dijon, ou sur Chenot, mais on n'est pas très loin de Dijon. Et voilà, donc maintenant, on va laisser la parole à nos orateurs, qui vont nous enflammer, qui vont nous donner envie de participer à leurs associations, ou de participer à leurs événements. Et on va passer la parole au dernier arrivé.